explore déjà la possibilité de produire un spectacle sur glace depuis au moins une bonne dizaine d'années. Good afternoon to you all. A pleasure to see you for week 3. We're very happy with where we're at, I believe. On s'est fait approcher il y a à peu près un an pour faire renaître cette idée-là. It seems like a very natural extension of Cirque du Soleil to bring the performance to ice and to actually take ice disciplines and push them further, as Cirque always does. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puff! The team were fortunate enough to have Kurt Browning join us. He brought with him resources, credibility, expertise, and he also believed that this art form needed to be revived. And he had a desire to help us bring it to a whole new level. I used to be a four-time world figure skating champion. Now I'm a Cirque du Soleil wannabe. Today is a bunch of people exploring the realm of the unknown and trying to bring the world of the Cirque to the ice. Oh, nice. On fait des choses qu'on n'a jamais fait, donc il y a des choses que l'on pense qui ne marchent pas alors qu'il nous faut du temps pour trouver. Il y a des choses qui marchent très très bien, mais attention parce qu'il va falloir les reproduire. Regarde derrière. C'est ici que tu gonfles. Donc le défi, c'est d'être attentif à tout ce qui se passe et de savoir où peuvent nous emmener les choses que l'on a proposées. Mais c'est très intéressant de faire des choses que l'on ne sait pas faire. Il y a un véritable challenge. From nothing, we have something. The human performance is very important. So in this case, it won't be circus arts as people are used to see it. It will be expressed in a different way, with people wearing skates and using ice as the new springboard for the creative content. We really wanted to create a harmony between both disciplines. We wanted every single performance, every single act, every single person to really just blend together so that it really comes in full harmony. Une scène beaucoup plus grande qu'à l'accoutumée. Ce que ça nous permet, c'est d'utiliser cette surface-là comme une surface de projection. Donc, on va projeter non seulement sur notre décor, mais sur la glace au complet. Le but étant de créer un spectacle des plus immersifs possibles. Cet esprit-là de nouveauté, en même temps qu'on crée, on découvre. En même temps, on sent un peu comme un chercheur qui découvre pour la première fois ce cristal. Et c'est assez intéressant. Alors, Cristal, c'est l'histoire d'une fille qui... qui trouve pas sa place dans la société. And ends up, you know, going out onto a winter pond and then falling through the ice. And in fact, the whole show sort of transpires while she's under the ice. She has a vision. Elle va rentrer dans son subconscient, qui va être une transformation de la réalité. Skate away. Skate away from them all. Find the one inside. Find the one inside. Find the one inside. Thank you.
see the sun since 3 weeks, so I said, let's start a Friday morning with the sun. Should we try it on the music? Let's try it. Yeah. One, two, and three, and four, and five. Six, seven, eight, and one. And 3, and 4, and 5, 6, 7, and 8. 1. We just begin the office, which is the part that everybody's at their desk. They're crazy, crazy automatic, and they're working so hard, they're getting crazier and crazier. I was expecting a lot of time of rehearsal for that, but I mean, in one rehearsal, we had, that's the second rehearsal of that. And we just had 2 hours so far, which is pretty, pretty good. So that tells me that I can add a lot of choreography, which is great. 2 of our initial load-in. So it's a learning process. We have the project managers and the touring crew working together with the suppliers to figure out how to put everything together. We're assembling the truss, we're running the cable looms, we're hanging the lights. All this will take only a few hours once we get onto the road, but it's kind of a tedious process right now to make sure that everything is designed correctly and goes together the way that it was supposed to. That's the first level of the wall. There's 3 levels that go into it. What you see now is the very top. So we'll lift it up and then we'll slide the next piece underneath. This building is a great working space, but it doesn't give us all the aspects that a normal venue would when we're on tour. It just doesn't have the heights and then the weight requirements into Lafayette. That'll be the first time that we actually put everything together the way that it's really supposed to go, but it gives us enough height to where we can play with the equipment and figure out how to operate it. Donc là, ce qu'on a aujourd'hui, on livre pour les répétitions. Les metteurs en scène ont besoin d'avoir les plateformes de lancement. Alors sans ça, ils ne peuvent pas faire leur mise en scène. C'est une étape très importante. Le mur contient toutes les émotions du personnage principal. Donc, il y a beaucoup de métaphores des lieux qu'elle veut quitter, des lieux qu'elle veut transgresser, d'une société avec laquelle elle est en lutte. Donc, il faut que la scénographie s'impose et que l'imagerie multimédia devienne un complément. Tout d'un coup, c'est une mise en abîme. Tu rentres à l'intérieur. There's a few moments where the content is really in the screen and it's kind of almost cinematic. And sometimes it's more like also like a bit more scenographic. So we're trying to install a place. Thank you.
nom est Dominique Lavigne, je suis chargé de projet contenu vidéo. Aujourd'hui, on va juste vous montrer un petit peu sur quoi qu'on travaille. Tout est un peu en work in progress, mais ça commence vraiment à être visuellement intéressant. On va aller voir ça. Donc ici, c'est notre belle maquette de Central Park. Au début, le défi, c'était est-ce qu'on le fait en 3D ou on le tourne? Nous, on a décidé d'y aller plus en maquette. Ça répondait vraiment à notre style. On va intégrer Nobi dans ces décors-là. Dans le fond, c'est un voyage qu'elle va faire dans différents environnements, un peu dans le rêve. Je dirais que l'esthétique, on a essayé d'en créer la nôtre. On est des fois dans quelque chose qui est un petit peu plus vintage, années 60, un petit peu fou. Mais des fois, on va dans des extrêmes qui sont un peu plus futuristes, avec des lignes, avec des choses un peu plus épurées. Parce qu'il faut savoir que tous les mondes qu'on va traverser à travers ce spectacle, c'est dans sa tête. Et on s'était demandé, sur le travail de la mémoire, elle ne réagit pas de manière linéaire. On peut passer d'une chose à l'autre. Donc, je dirais que chaque tableau, il a une influence différente. Savoir que nous, on a poussé un petit peu le bouchon un petit peu plus loin. On a l'interactivité vidéo, c'est-à-dire que la vidéo qui va réagir avec les skateurs et qui va changer en fonction de ce qu'ils font. Well, having an interactive aspect to it is really nice. The skaters can have like an impact on the projection. It's reacting well. We're not finished tweaking it, but it's reacting well. On avait parlé, les ronds étaient trop gros. Ouais, on les a ratissés. Je vois les ronds plus rapides. Yeah, I find it like it's moving more. Yeah. En ce moment, je travaille sur un effet de particules pour la réflexion du personnage principal. Donc en fait, on a enregistré l'actrice pendant qu'elle faisait sa chorégraphie. On l'a quillé, fait qu'on a enlevé le background. Et ensuite, on l'utilise pour générer des particules qui vont être drivées par les capteurs infrarouges. Et du coup, ça permet d'avoir des mouvements un peu plus réalistes, vu que les particules bougent en temps réel avec la personne qui est sur la glace. C'est très technique et... c'est très novateur encore, il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise ça, donc on fait des tests. This white diffuser has a LED, an infrared LED, and then we have 19 cameras hung throughout the various grids, and they pick up the infrared. So they would say, oh, hey, Julian is at XYZ coordinates, and then it relays that information to lighting department and to video department. So like if something were to fall and you couldn't be in your exact spot for your cue, your instruments are already following you. So when your cue hits, the lights come on and they follow you. Fast, we are almost ready to leave. I think people are pretty excited about moving on to Lafayette, Louisiana. So we'll have all of our tools with us because we're missing a few pieces here due to the building configuration. I'm someone new in a new place. A sharp tingle, a chill, a smell I've never smelled. Steel. On a un show maintenant. À Saint-Roch, on avait peut-être 70% du spectacle.
parce qu'on n'avait pas le track and trolley qui est le rail qui nous amène d'un endroit à l'autre. Avec ma femme, sur ce projet-là, on a mis beaucoup d'amour sur les numéros pour être sûr qu'ils soient du calibre du Cirque du Soleil et puis pour être sûr que ça marche. La finale, on s'était donné la chance de le faire ici. Seven, I prefer to work by, if we attack something, we attack it, and we try to really go from beginning to end, and we'd rather do that and then not do this than do a fast thing of everything. And you see what I mean? So in St. Rock, there were some things we just had not yet created and did while we were here, so that's great. And we did automation, which takes forever. And in fact, that was really difficult. We had like 4 or 5 days where we couldn't actually work in the sense, you know, work creatively, where we were just, you know, dealing with how to tighten up the rig, the track and trolley. Jerome got the straps, nothing worked. La plus grosse partie, c'est l'automation. Ça veut dire que quand je dois monter, ben là, c'est que des codes. Ça doit être super précis parce que je dois monter sur des cues musicaux, sur des temps. Et donc, il y a une personne en haut qui appelle les cues. La personne qui a les cues appuie au bon moment sur le bon bouton. Et c'est comme ça que se font les cues, c'est comme ça que je vole, c'est comme ça que je prends nos billes et que je pars. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup, beaucoup de répètes pour arriver à une précision parfaite. On a fait face à pas mal de problèmes. Moi, j'aime bien avoir des problèmes parce que ça me rassure, parce que ça permet de réfléchir sur c'est quoi les solutions. Normalement, la première, ça marche. Il y a toujours une chance. Mais non, je pense qu'on est bien. Can you stop it? See, we're getting into character. This is what we were supposed to do. Une équipe soudée, c'est ce qui est le plus important. Tous together. J'aurais besoin de baquettes pour eux. Je veux le faire à eux, hein. Venez, 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 venez. On avait un enchaînement hier avec public, une super belle générale. Tout le monde était habillé. À notre point de vue, là, ça relève de l'exploit. À ce point-ci de la création, là, les dernières semaines, il faut absolument qu'on soit collé sur le spectacle, sur les artistes, sur les autres concepteurs, pour être capable de réagir le plus rapidement possible, faire des modifications quand il y a des modifications techniques qui sont demandées, puis s'adapter. On les voit dans l'éclairage pour la première fois. C'est là où tout vient s'arrimer ensemble. Le spectacle, on s'en va dans la tête de notre personnage principal, Crystal, et à ce moment-là, elle va découvrir sa voix intérieure et tout ça va passer à travers l'écriture. Donc, moi, je suis partie de cette idée de trait d'écriture pour voir un peu tous les personnages à travers sa main à elle. C'est comme si Crystal avait dessiné son amoureux idéal en le décrivant avec des mots. Donc, tout le dégradé est fait avec des lettrages superposés. Comme l'écriture est présente, le papier est forcément présent. Donc, on voulait créer un effet papier chiffonné, un peu origami. Puis en même temps, bien, ça rappelle les cristaux de glace. Puis on est reparti, grosso modo, de ce même motif-là pour venir travailler les imprimés en bleuté pour les costumes de Big City. Puis c'est le même motif qu'on reprend en noir et blanc pour faire les personnages de Shadow, qui sont les ombres qui vont amener Crystal à découvrir sa voix. All right. It's gonna be difficult to skate in the harness. It kind of feels like a corset, so it limits your body movement. Aha, there's no way. Ginger transformation. Me and Novi do a whole number together, so I'll have the harness on and be like, ooh! For the inspiration of these makeup, I work basically more intuitively. So sometimes I have flash about colors. So I try to do some research, of course, watch the internet, Pinterest, Instagram, name it. But then I go, oh, I really like that idea. So it gives me more ideas. So then I try stuff. And at one point, I'll go like, yeah, that's the look. We're at the moment in the process where the artists start to learn to do their own makeup. I have 14 pages of step-by-step makeup I have to learn. Uh-huh.
So the biggest challenge for them is to being totally beginners in makeup and to do like a professional type of makeup. So we're showing them everything, like how to hold a brush, how to blend, how to be precise and everything. Crystallize the world. There you go, guys. Here's a little crystal for you. For a lot of them, it's very new stuff. So they never did that before, especially guys. C'est vraiment la première fois pour nous qu'on fait ça. Par exemple, là, nos sourcils sont pas égaux. This is something new for me to put makeup. Never done before. The makeup is the most stressful part, more than the show. Yeah. They decided to cut the mustache. They said it didn't really go with my character, so I will not be wearing a mustache in the show anymore. Tu me feras un rire là-dessus. C'est surtout le début du glissando, comme tu viens de me le faire, là, super rapide, que moi, je... Ouais, parce que ça, le gars, il descend d'une glissade, là, puis ça va vite. Aujourd'hui, on enregistre avec Mathieu Désy. Il joue de la basse électrique et de la contrebasse. Des fois, les logiciels, ils ont des super beaux sons, mais ça n'aura jamais, justement, l'input qu'un instrumentiste peut nous apporter. Elle refait comme un monde imaginaire. On va dans plein de styles différents de musique, justement pour illustrer les différents univers qu'elle imagine. Donc, il faut trouver l'unité de ce show-là. Il fallait s'y prendre d'une autre façon. C'est pas dans le style. C'est vraiment quand tu écoutes toute la musique du show que tu vois « Ah, OK, le thème, tu sais, je l'ai entendu. » Ce thème, il revient quelques fois dans le show pour nous rappeler que tout ça, ça se passe pendant qu'il est sous l'eau, dans le fond, entre la vie et la mort. Il y a trois musiciens. Il y a Steven, qui est notre band leader. Lucine, c'est la violoniste. Camilo, lui, c'est comme un prodige, là, parce qu'il joue de la clarinette. Mais tu sais, il y a plusieurs clarinettes. Tu sais, une clarinette basse, une clarinette aiguë. Puis ça se joue pas de la même façon, mais lui, si virtuose de l'une à l'autre. Dans ce show-là, Maxime a écrit pour ses musiciens. Il a vraiment fait des partitions propres aux musiciens, ce qui n'est pas le cas de tous les spectacles. Puis vraiment, les musiciens sont contents de ça, mais ils doivent travailler fort pour être capables de jouer ça. Là, au moins, il y a un défi, puis soir après soir, il faut qu'ils relèvent ce défi-là. Je pense que c'est motivant pour eux autres. Ben, on est texté, mais on est prêt. C'est rare qu'on dit ça. On a tellement travaillé fort, on a donné des bouchées doubles les derniers 10 jours, je dirais. On attend le public, on a besoin d'une réaction, on a besoin de sentir là, quels sont les moments forts, où ça rit. Thank you.
Tonight is the big day. Tonight is the premiere of Crystal, and we're so excited about that. We're a bit nervous, of course. We should have about 1,500 people. C'est quand même trois mois qu'on a passé avec cette famille-là. Aujourd'hui, bon, ben, on ouvre nos bras et on offre ça au public. Alors, je trouve ça vraiment génial. C'est une belle femme. Avec des moteurs en scène comme ça, c'est extraordinaire. C'est une partie de plaisir. C'était merveilleux comme aventure parce que Shayna et Seb, de rentrer dans leur univers puis de vivre ça, ben c'est ça. C'était une partie de plaisir. You are the only one who actually made it. We cut everybody out. Oh no, three of you, you made it too. After all this hard work, finally. Ready to go. It's premiere, like you never forget your first, right? It changes everything when it's done in front of a crowd. It just gives us all different energy. It's gonna be a lot of people, and it's gonna be brilliant. It's the first time Cirque's doing a skating show with acrobatics, and we're gonna nail it! Always pays off. To develop something like this on this big of a scale of a show, it takes the 12 to 15 hours. It takes the coming in extra early, getting the warm up, leaving a little bit later just to finish things up. I can't wait to start this tour. Today's a milestone. Today is, okay, we're in Lafayette, we've got audience, they paid for a ticket. It's important to listen to them, to watch them. We're going to build on that. Obviously, we're all working towards this huge world premiere in Montreal. Every night is important until we get there. What you've done so far is spectacular. Keep doing it. Have fun. Be safe. And thank you, really. Thank you very much. Don't forget it. You're not skaters and you're not acrobats. You're performers. And performers go get people's art. So this is what you do, this is what you're gonna do tonight. I believe it because you're amazing. Si je suis fier de quelque chose, c'est le fait qu'on est arrivé à travailler vite et qu'on a l'équipe qui est toujours derrière le projet. Les artistes ou l'équipe de création ou les techniciens, on sent bien qu'il y a un sentiment de faire partie de quelque chose de différent que je m'étais fait avant. Et puis ça c'est trippant. What I'm most proud of. It's you guys, the way you act, the way you are all together. It's an amazing team. I'm so happy I've got a crowd. Thank you so much. I'll add, kind of getting emotional too. Thank you. Thank you so much for your patience and trust. And we said in the beginning what was in the whole Mystery Island speech and all of that. And it was no island, it was bullshit. Well, first of all, I believe profoundly that we've created something beautiful and unique and that we'll touch people. And I also believe we're gonna change history. And I think that's an amazing, amazing thing to have the opportunity to be a part of. Today, for me, what's important is that now we give the show to you. Like, it's no longer our show. Like, from now on, it's your show, and it's your baby, and you're gonna put that life into it. Are you guys gonna be good tonight? No. No, you're gonna be excellent. You're gonna rock, and you're gonna take that public and put it in your pocket, and have to play with it and kick in it. That's what you're gonna do. I would love to do a high stuff with everybody. Yeah. Let's start. Come on, everybody. De conceptualiser un show et puis là t'es assis derrière et puis tu le vois, c'est quelque chose, c'est un sentiment vraiment étrange, tu te dis oh, non, on a fait quoi.
puis c'est bon. C'est pas mal de dire. Moi, je pense que c'est le meilleur show au monde, mais pas grave. We're going on tours, so we continue 10 cities, 10 weeks, 10 cities before coming back to Montreal. Premiere in Montreal. So everybody excited, everybody is somehow perhaps nervous in some levels. Since Lafayette, we have been working on the fine-tuning mostly, and also just making sure the performers really are getting comfortable within the parts they portray and the overall sense they play. I'm so happy about the show. I'm so excited to be here for the world premiere and to see all the work that's been now put in over so many months and to see it all finally coming together and really gelling and looking so beautiful. I just can't wait. We're super excited for tonight. I feel like it's been a long time coming for us to get to Montreal since we created the show, and it's going to be really exciting to see the reaction this evening. Stressé, de la pression, normal. Mais non, ça va, je pense qu'on est prêt. Je pense que ouais, on a bien travaillé, on a travaillé fort tous les ces derniers mois, ces dernières semaines là, et puis on en a remis une couche ces quelques derniers jours pour vraiment que ce soit en tout cas, on va essayer parfait pour la première. The public is the best part of the performance because their reaction it lets you know how you're doing, and I've done my job well if I can make somebody laugh or cry or react in any way, so that's the best part. I'm incredibly, incredibly, incredibly proud and excited to introduce Crystal to Montreal. You know, a year ago when we were writing it, we had storyboards and scenarios, and I feel like when I see the show now, I see all of those storyboards, I see those first scripts, and that's an amazing feeling to have thought of like a little seed of something and watch it come to life on such huge scale. We're gonna remember this day for the rest of our lives, and we're spending it together, and I'm really honored to spend it with all of you amazing, amazing, amazing people. Everyone, be safe, have fun. This is the beginning of an amazing journey. Thank you all. Merci. Thank you.
I want to welcome the world of skating and skaters, because this is a brand new world and it was such a fun time to mix and not to do a show that we've done like with circus people, but to have a new family who join together with the Acrobat. And I think it's we opened the door and I hope people will do more shows like that. And we had a blast, and you guys, you were so good. Yeah. I don't want to do any more shows in my life. This is the end of my career.